Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles. Et nombreux ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous, rien que pour nous, personne d'autre. Point final. Sauf ceux qui veulent venir. <laughs> Chers amis, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Les changements climatiques sont là. Ils commencent à peine à s'installer. Je vous l'ai dit, les jours, les semaines, les mois et les années à venir vont être très difficiles, très difficiles à traverser. Au niveau climatique, au niveau social, au niveau financier, il y aura des crashs boursiers, mais en vous et moi, les crashs boursiers sont là que pour appauvrir la classe moyenne, la classe ouvrière, celle qui travaille. Les riches sont jamais affectés, ils vont perdre quelques plumes, mais ils ont tellement, tellement, ils en ont tellement sur leur manteau de plumes que ça ne change pas grand chose. Et les plumes qu'ils auront perdues, on nous demandera de les remplacer à nous autres. Et ça sera à nous autres de les payer. Donc, crash boursier, même s'il y en a un, ça ne changera rien au système, ça ne changera rien au pouvoir des élus, ça ne changera rien à la vie en tant que telle. Ça va juste vous rendre un petit peu plus pauvre si vous aviez des placements, si vous aviez des fonds de pension. Mais pour le reste, c'est business as usual. Une crise financière ou une crise boursière, c'est là pour l'élite, pour les repartir, pour les regarnir. Ça ne change rien dans le système, ça ne change rien dans les inégalités, ça ne se fait pas débarrasser de politiciens puis de gros gouvernements. C'est juste un instant, un moment concret pour que vous ayez plus peur, plus de peur et plus de panique et que vous soyez vraiment prêt. À réparer les plumes perdues des riches. Donc, ces changements-là, honnêtement, ça ne change rien dans nos vies. Sauf qu'on est un petit peu plus pauvre, puis on sort un petit peu plus amoché si on avait de l'argent placé à la bourse, par exemple. Mais à part ça, si vous n'avez rien de placé à la bourse, un crash boursier, ça ne vous touche pas. Ça ne vous affecte pas. Dans le sens où personnellement, vous ne perdrez rien, sauf que votre paye va s'en sentir un petit peu amoindrie parce qu'on aura besoin de vous faire une ponction additionnelle pour aller renflouer le coffre et les coffres des riches. Ceci étant dit, beaucoup, beaucoup de choses nous attendent. Mais quand je dis changements sociaux, c'est énorme, énorme et ça va être sous plusieurs facettes. Ceci étant dit, on en reparlera plus tard de ça. 16h07, 5, euh, 5 juin 2019, avec une nouvelle intéressante, une nouvelle intrigante et fascinante qui nous vient de Val-d'Oise. Ça m'a été, par euh, été partagé, envoyé par une, une abonnée que je remercie. Valdoise, le mystère du dessin tracé dans un champ de céréales, 4 juin 2019. Bayer en France est un pilote de l'aéroclub. De Moiselle qui a repéré le dessin dans un champ de céréales. La figure a été repérée à Bayet en France par un pilote de l'aéroclub Nguyen moiselle Sa photo a été reprise jusqu'en Russie. Encore un événement qui va faire la renommée de Bayet en France. Un dessin est apparu dans un champ de blé à proximité du carrefour de la Croix, -Croix Verte ce week-end. Ce Crop Circle, ou cercle de culture en français, a été aperçu samedi par un pilote de l'aéroclub, Frédéric Blacher. C'est sur le circuit de l'aéroclub, donc on ne peut pas le rater, indique-t-il. Il a probablement été réalisé dans la nuit de vendredi à samedi. Le dessin se présente sous la forme d'une succession d'arcs, de cercles pointant en direction du nord. L'aéroclub a posté dimanche les photos du pilote sur Facebook. Le message a depuis été partagé des centaines de fois, y compris en Russie ou en Espagne. On est tout petit. On est un tout petit aéroclub d'habitude. Si on a 12 000 likes, c'est le maximum, ajoute Frédéric Blacher. Dans les commentaires, chacun y va de sa théorie sur l'origine du phénomène. Il y en a plein qui pensent que ce sont des extraterrestres ou des êtres de lumière qui ont fait ça. On peut voir l'image ici. Alors, on peut la voir très bien ici. Vraiment étonnant, hein? Donc, la curiosité du public pour ce phénomène ne se limite pas à Facebook. Les pilotes aperçoivent des piétons qui se rendent sur place depuis ce week-end. Il y en avait même qui priaient dedans, précise le pilote. Le gardien du terrain de Notre-Dame de France, qui abrite une statue monumentale de la Vierge, un oratoire et une chapelle, a aussi aperçu des promeneurs dans ce secteur depuis quelques jours. On ne sait pas, si, on ne sait pas qui a fait ça, témoigne-t-il. Je ne pense pas que ce sont des humains, parce que les cultures sont couchées et pas écrasées. Et puis il faudrait prendre des mesures. C'est très compliqué. Vraiment mystérieux. Qu On aura plus de détails à venir, peut-être, mais pour l'instant, le mystère règne sur ces dessins tracés dans un champ de céréales à Val d'Oise. Wow. Merci pour le lien et je vous reviens avec plein d'autres choses.